Pour vous, qu'est-ce qu'un contrat de prestation? Tout d'abord, le contrat avec un prestataire est un contrat dit synalagmatique. Il crée des obligations pour l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire que nous avons choisi des obligations l'un envers l'autre. Par exemple, le prestataire doit réaliser un service demandé, l'acheteur doit régler le prestataire quand le service est réalisé. Quatre principes fondamentaux sont à la base des contrats. Le consentement, la capacité, la cause et l'objet. Le consentement, il répond à la volonté de chacune des parties de contracter sans contrainte. C'est le vice de consentement. La capacité, chaque partie doit avoir autorisation pour contracter. Par exemple, dans chaque entreprise, les autorisations de dépenses sont faites suivant les niveaux hiérarchiques. La cause du contrat est la motivation qui explique la création de ce contrat. Elle doit être naturellement licite et morale. L'objet. L'objet du contrat doit clairement être défini, ainsi que les obligations de chacune des deux parties. Nous retrouvons l'aspect synalagmatique. Par exemple, si un contrat prévoit une indemnité en cas de rétraction de l'une des parties, il doit aussi prévoir une indemnité en cas de rétraction de l'autre partie.